Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard, aujourd'hui on se retrouve pour un truc assez skillé, j'ai envie de vous dire, une mob à la M16, un truc de fou, un truc de dingue. Alors en temps d'MW2, on avait le FAMAS bien puissant quoi, le truc qui envoie de la patate. Une balle dans le talon, le mec il s'est coulé comme une merde dans MW2 avec le FAMAS. Autant dans MW3, on a une arme rafale qui ne me tue pas une rafale. C'est assez bon ça, c'est ça qu'on aime, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire pourquoi. Alors autant le mec il a 5 de ping, bon 100 mégas il va pas trop voir la différence, c'est sûr hein. Autant t'es un mec comme moi qui te ramène dans le live avec 140 de ping et sa pauvre M16, je peux te dire que tu vas pleurer. Tu vas pleurer ta maman très fort. Pour peu qu'en plus, le mec qui joue en face avec les petites surprises en plus, comme le petit barreau d'honneur, la petite dernière bataille, aussi le petit main du mort. Mais là, je peux te dire que tu t'éclates en live. T'as même gagné, je crois, le droit de casser une belle manette parce que franchement, vos manettes vont prendre cher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de mobs en live avec cette arme. Parce que les mecs, je pense pas qu'ils sont maso au point de jouer avec cette arme. J'en ai pas vu beaucoup hein, des mobs en live avec cette arme. Franchement, faut avouer que des fois, le nombre d'assistances que vous allez faire, c'est juste abusé. Alors, au passage, d'habitude, vous voyez les vidéos le dimanche, c'est vrai. Alors, non, je n'ai pas fait de la merde parce que, là, non, le samedi, vous les voyez derrière les vidéos. Mais là, elle sortira dimanche. Alors, vous allez me dire, pourquoi, je sais pas de quoi tu fais, tu es en contre-temps. Tout simplement parce que lundi et mardi, enfin, vous savez, la semaine qui arrive, j'ai le bac qui arrive. Alors, voilà, le bac. Et donc, du coup, j'ai pas eu trop le temps. Excusez-moi, je pense que vous me comprendrez, surtout ceux qui passent ces examens. Alors, je tenais aussi à vous dire un truc, même si je vous raconte ma vie. Je ne pense pas honnêtement que je vais avoir le bac. Alors là, ça me fait pas rire vraiment, même si j'en rigole, je sais que je suis un peu un autiste. Mais ça vous concerne un peu, vous allez me dire en quoi ça vous concerne, c'est vrai que c'est ma vie, tout le monde s'en fout. Alors, si j'ai pas le bac, je n'aurai plus rien du tout. Et je pense pas que je vais l'avoir, je vais vous dire pourquoi. Parce que toute l'année, bon j'ai eu 12 de moyenne, toute l'année, pas de soucis. Sauf que je me suis pris vraiment trop tard pour le bac. J'ai vraiment ça. Et je sais pas. Soit j'ai de la chance quoi en gros. Je tombe sur les seuls sujets que j'ai réalisés. Et là vraiment merci quoi. Merci le Seigneur quoi limite. Et soit sinon je vais y aller directement dans le mur quoi. Et si j'ai pas le bac, écoutez, je ne pourrais plus faire de vidéos. Ça me ferait chier de lâcher mon petit troupeau de 18 000 abonnés dans la savane qui est YouTube pour rien quoi, parce que franchement je vous aime bien. Je suis obligé presque de fermer ma chaîne parce qu'il y aura plus de vidéos quoi, une vidéo par mois. Enfin, franchement je ne serai plus là, je ne serai plus présent. Ça me ferait chier parce que quand même ça fait une belle aventure qui a commencé, qui n'est pas encore prêt de se terminer peut-être, je ne sais pas. Ça me ferait chier de vous laisser parce que je manquerai peut-être à certains, je manquerai pas d'autres. Certains vont se réjouir, ils vont me dire ouais yes il va se barrer, cool il va se barrer ce gros connard. Bon peut-être, tant pis, je ne ferai pas plaisir à tout le monde. Mais en tout cas moi, ben voilà, je serai un peu triste parce qu'on est un peu toujours triste parce que YouTube quand même ça me fait plaisir des fois de poster des vidéos et d'écouter vos commentaires. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Je vous le cache pas de faire mon beau Jackie à lire vos commentaires, ça me fait très plaisir. Et là écoutez, je ne sais pas si j'ai le bac, et si j'ai pas le bac, écoutez franchement, je vais pas pleurer non plus, mais bon, ça me rend triste parce que je me dis putain je verrai plus. Parce que ça manquera YouTube, écoutez, oui, il faut que je vous lise, ça manquera. Si je fais plus de vidéos YouTube, ça me manquera quand même. Même beaucoup mes abonnés me manqueront. Parce que c'était quand même pas des petits abonnés de PD, n'est-ce pas? Donc voilà, donc tout est dit, on va arrêter de mouiller, de pleurer pour une vieille merde, non, arrête. Donc voilà, alors au passage, je ne sais pas si d'ailleurs vous êtes en vacances ou vous passez votre examen comme un petit rebelle. Voilà, en tout cas, big dédicace à ceux qui sont en vacances, hein, on se la touche, mais dans la piscine, les gars. Donc voilà, ça c'est dit, j'arrête de faire mon Jackie. Alors parlons un peu de la M16 parce que j'aime pas beaucoup parler. Vous avez vu quand même que je reste assez dans la même zone, quoi, parce que c'est vrai que je reste souvent dans la même zone d'aller lire. Oh, c'est du camping, tu nous fais de la merde, qu'est-ce que tu nous fais? Écoutez, la M16, rush avec la M16, c'est pas possible. C'est mentalement, physiquement, jouablement, ce que vous voulez, ce n'est pas possible. C'est impossible. Franchement, je vous le dis, c'est impossible. Parce que, par exemple, si vous tombez sur un mec, un corps à corps à 1 mètre de lui, et vous lui mettez 4 rafales dans la tête, c'est pas possible, j'ai envie de dire. C'est pour ça, comprenez-moi, ne me dites pas que je campe, parce que franchement, même en jouant comme moi, essayer de faire une mob à la M16, je veux vous garantir que c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Là, même le prédateur, là, je me chie dessus. Allez, je me cachais dans le gazon. T'as une fouine. Pour pas essayer de pas me faire tuer, j'avais indétectable, je le savais, mais au cas où, hein, parce que ça. Parce que moi, je me suis déjà fait tuer par des hélicos quand j'avais indétectable à 3 ou 4 de la mob, oui. Je sais pas, je crois que c'est arrivé qu'à moi aussi. C'est un peu un truc de merde, quoi. Mais c'est vrai que c'est chelou. Mais en tout cas, voilà. Alors, là, j'ai d'ailleurs beaucoup de chance les grenades, parce que souvent, je suis un aimant à grenades. Là, vous allez voir aussi, petite phase de chance, voilà. Attention, c'est parti, le mec totalement bigleux. Un peu de chance, hein, vous allez me dire, oui. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire le plus? Eh bien j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Parce que quand même l'été on est parti pour ça toucher. D'ailleurs je vois que c'est les vacances parce qu'il n'y a pas beaucoup moins de vues sur mes vidéos, c'est tout à fait normal. On n'aura plus les vidéos, puis je vous comprends, vous n'avez pas forcément d'invités sur YouTube. Hein. L'été on va sur le PC que pour quelques sites, n'est-ce pas? On se comprend. Et après sinon on sort dehors avec les potes et la piscine quoi, ça se comprend, la plage, la bière et tout, on s'éclate quoi. Non mais je vous comprends, je comprends que les vues buff, c'est tout à fait normal hein, en tout cas, moi ça me gêne pas. De toute façon j'ai fait les vidéos pour le plaisir, pas pour l'audience. Donc voilà.
En tout cas, putain, on approche déjà de la fin du gameplay, c'est un truc de fou quand même, ça passe vite ces trucs quand on s'amuse. Alors là, ouais, là vous avez vu quand même que j'étais pas mal en mode visée. Là j'étais vraiment en mode gros jouage de vie, je suis pas comme ça d'habitude, je vous le cache pas. Mais quand vous faites une mob à la M16, je peux vous dire que franchement, ben, vous dormez pas de la soirée, vous dormez pas de la soirée. Moi je vous le dis. En tout cas, je tenais aussi à vous dire que si j'ai le bac, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Si je ne l'ai pas, je vous tiendrai aussi informé, je vous ferai un petit truc d'adieu, ne vous inquiétez pas. Je vais pas vous dire allez vous faire foutre et me barrer comme ça, non. Là vous avez vu vraiment que je joue ma vie. C'est un truc de fou. Là je sais pas pourquoi j'ai pris ces cas. Je crois que j'avais des grenades ou le je sais pas. Là j'ai vu qu'il y avait le radar en plus. Il y avait des mecs qui montaient. Je vous jure que je me chie dessus quoi. Là j'étais en mode camping, je vous le cache pas. J'avais parce que devinez à combien de kills j'étais. Attention, un kill de la mob, voilà. En tout cas, j'espère que cette mob vous aura fait plaisir. Une mob assez squelette quand même. Moi je vous dis bonne journée, bonne soirée. Entretenez-vous les gars. Une pêche, une bonne patate. On garde la forme. Ciao tout le monde, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand on verra la vidéo. Un cul bordel et ciao tout le monde. Aïe.